50 000 personnes dans le tournage, c'est une foule considérable. Bon, et moi j'avais cette chance, donc je pouvais déambuler, me promener, les amis, tout ça, puis je tombe dans un coin là, qui était au bord du village, une espèce de ferme, avec élevage de bois et tout. Et là, il y avait des noirs qui répétaient, parce qu'ils allaient jouer le soir, ils allaient faire à côté, ils jouaient, ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 4 ou 5. Alors tiens, quand j'ai vu ça, ils jouaient et les autres passaient, ils défilaient, qui allaient. Alors ça m'a donné cette idée, puis voilà, et je l'ai traduit comme ça. Mais j'ai trouvé que la confrontation, c'est la musique, c'est une mélodie, c'est quelque chose comme ça qui se promène. Et puis les oies qui défilent, parce qu'elles sont toutes tournées dans le même sens, les oies quand elles marchent, elles sont toutes dans le même sens. Et il n'y a pas une qui marche en travers ou en travers, non, on marche tout à l'heure, ça va. Et c'est ce qui m'a intéressé. S'il y a une autre toile qui est commande, Madonna, j'ai essayé de présenter le mythe Madonna. Le vide, dans une certaine réalité. Dans ce monde musical, seulement déjanté, on peut le dire. Alors, bon, voilà, c'est une toile qui m'a donné d'ailleurs beaucoup de mal, parce que je ne voulais pas tomber dans la vulgarité. Alors, il y a toute la gamme des personnages, et le serpent. Le serpent, le tentateur, qui est le péché, qui est. Ah oui, Don Quichotte. Oh, c'est un des épisodes de Don Quichotte. C'est un roman extraordinaire, Don Quichotte, et qui m'intéresse parce que je le trouve très correspondant énormément à l'ambiance et à la société actuelle, telle que tout le monde peut la vivre ou la ressentir. C'est un monde assez délirant, assez fantastique, mais jamais méchant et jamais agressif avec des sous-entendus, tout ça qui ne sont pas tellement agréables. Alors j'ai acheté les deux tomes, les aventures de Don Quichotte, les deux tomes de Cervantes, et je le bûche. Évidemment, je le bûche pas tous les jours, mais de temps en temps je relis un chapitre ou deux. Et dans un chapitre, il y a toujours un poème, quelque chose qui me donne un flash. Là, par exemple, celui-là, c'est l'apparition de Dulcinée, qui n'existe pas, en réalité. Dulcinée n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, mais bon, lui, il la découvre en lisant le livre, il n'y a rien écrit dessus. Donc, il lit un livre, il n'y a rien écrit dessus, en fait. Alors, c'est toute une. il découvre Dulcinée à travers tous ses rêves, ses fantasmes et tout ça. Et Dulcinée, ici, c'est une forme de personne spectre. Et un fantôme, si vous voulez. Symbolisé de plus près par cette figurine. Et tout ça, ça induit le côté ésotérique, le côté mystique, ésotérique de la chose. Voilà.